Avec ses 2000 ans d'histoire, Tours est une ville qui se découvre de mille façons. Elle peut par exemple découvrir bénévolement sa ville aux touristes de passage. Première étape, cette tour Charlemagne, vestige d'une basilique aujourd'hui disparue. Là, nous avons le panorama le plus complet de la ville de Tours, de son agglomération. Et nous avons... À 70 mètres, ce sont celles de la cathédrale Saint-Gatien. Une cathédrale à l'architecture imposante, qui possède une collection de vitraux exceptionnelle. D'ailleurs, et des détails, cette cathédrale en fourmi. Il a fallu 4 siècles pour la construire. Chaque période, chaque influence se sont donc superposées. La cathédrale de Tours, c'est une... Nous voilà sur la Loire, l'indomptable fleuve enjambé par le pont Wilson, le plus vieux pont de la ville. Notre embarcation évite les îlots et nous présente en contre-jour les tours de la cathédrale. Un point de vue unique qu'Alain Lacroix aime faire découvrir. Ce fleuve, il le connaît.